Et bonjour YouTube, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la VOD du coup des jeux Itch.io qu'on va faire ce soir. Première VOD Poop Killer. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura Poop Killer, il y aura ensuite Fart Killer. Donc on va faire les deux dans la même VOD les potes. J'ai hâte de découvrir le jeu, j'en ai beaucoup entendu parler. Un jeu qui est plutôt drôle apparemment. Donc on va découvrir ça ensemble. Et ben let's go. On est parti. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu indé. Qu'est-ce que t'as fait? Ok, découvrons Poop Killer ensemble, les potes. Voilà, censé par contre. Ok. Ok. Ah oui, c'est tout ou rien, quoi. C'est tout ou rien. Interact All, c'est eux. Ok. Attendez, parce qu'il faut que je mette mon jeu en anglais, du coup. Dans mon clavier en anglais, pardon. On peut choisir les caméras style. Ouh là là. Style PS2, 1995, Aurore. On va cesser en Aurore. Action movie, horror movie. On peut courir aussi. Ok. VHS Video. On peut pas partir déjà. Ok. Bon alors ça c'est notre magasin. On gère le magasin, c'est ça? Ah j'ai une lettre. John, voici tes tâches. Fais-les dans l'ordre. Dans l'ordre, pardon. Je vais prendre mon téléphone pour faire la trad des bots. J'ai pas envie de vous traduire de la merde. Alors. John, voici tes tâches. Fais-les dans l'ordre. Que je t'ai donné et seulement quand tu n'as pas de client. Mettez les films d'horreur sur l'étagère, balayez les tâches du sol, jetez les déchets en bas et nettoyez les graffitis des murs extérieurs. Ok. Donc là, il faut que je mette les films d'horreur sur l'étagère. Sweep, ok. Ok. Comment ils disent ça va, tu vas bien? Les tâches au sol aussi. Ok, j'ai mis les films. Ensuite. Donc faut que je nettoie les tâches au sol. Et vider les poubelles là-bas et tout. Ok, je crois qu'il y avait quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Elle fait peur! Ça va pas ou quoi?
Comment je nettoie les tâches? Sweep stains from the floor. Nettoyer les tâches du sol. Je peux pas nettoyer. Pardon. Je rigole nerveusement parce que c'était drôle. Il va m'acheter des films de cul. Des films de poule. Regardez, Adult Movie. Il a pris un film de boule. Un film de fesses. Bonsoir, garçon. Je vais acheter ça. Bonsoir, monsieur. Bah, ça fera 3 dollars, s'il vous plaît. Très bien. Bah, prenez et à plus tard. Ok, ça marche, Malady. Ok, il nous a acheté un film de boule. Ok, je peux nettoyer les tâches maintenant. Là, logiquement, j'ai tout fait. Vider les poubelles? Je pense que c'est ça. Mais elles sont où les poubelles? On a un flic qui arrive. Bonjour monsieur l'agent, allez-y entrer, prenez votre film. Tiens, tiens, tiens monsieur l'agent, hein. Ça regarde les films de boule. Évidemment. Je pense que je peux pas faire les poubelles pour l'instant, ça va être après. C'est bien ça la traduction, hein. Jeter les déchets en bas. C'est quoi en bas? Bonjour monsieur l'agent, j'aimerais du coup acheter ça. Comment ça coûte? Ça coûte 5 dollars monsieur. Tenez l'argent. Et voilà, amusez-vous bien dans votre voiture avec ce film. Parce qu'on sait très bien ce que vous allez faire. Je peux pas jeter de poubelle. Mais je sais même pas où elles sont les poubelles. Ah oui d'accord, je pouvais rentrer là, ok. Au revoir monsieur, au revoir. Ça, c'est pas une poubelle? Jeter les poubelles en bas. Ah, peut-être que c'est là. Ah, mais oui, c'est là. Donc ça, c'est chez moi. Ok. J'ai un petit appartement, on dirait. Bon, alors, il est où le truc de poubelle? Et j'ai pas vu le truc de poubelle tout à l'heure. Non, c'est un pot de fleurs. Ah, c'est là. On va rentrer par là, ça va être plus simple.
Ok. J'ai trop peur qu'il y ait un truc qui pop et qui me fasse peur, hein, je vous le dis. Je ferme. On sait jamais. Il faut que je nettoie les graffitis après, je crois. Je vais pas les nettoyer avec ma main. Faut que je prenne le produit, un truc, non? Clean the graffiti qui sont sur les murs. Est-ce qu'il faut que je descende en bas? Peut-être qu'il y a quelque chose pour nettoyer. Ah mais j'ai pas fini, il y a encore une poubelle. Donc ok. On a un nouveau client. Est-ce que je peux nettoyer en attendant? Non, je peux pas. Donc là, à mon avis, on va devoir servir le nouveau client et ensuite les graffitis. Regardez la tête qu'il a là. Lui, il est venu pour quoi encore? Des films de boules? Regardez sa gueule. Alors, il va aller où? On va le juger. Oula, il va pas du tout acheter un film, il vient me parler à moi. S'il vous plaît, je dois utiliser les toilettes rapidement. Allez-y, monsieur. Merci. Ah oui, donc nous, on laisse les gens... D'accord, allez-y. Il va chier. Il va invoquer le pop... Le pop killer. Derrière le rideau. Monsieur, tout va bien? Ah, c'est gros! J'ai ruiné vos chiottes! Vous avez besoin d'aide? tout va bien, monsieur? Est-ce que je peux vous aider? Oh, il a fini, il a fini. On fait genre qu'on était comme ça, on attendait. Ça a été, j'espère. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Merci, mon ami. Tu m'as sauvé la vie. Oh. On peut pas augmenter la luminosité, je vois rien. On est d'accord qu'il y a marqué shit là? Il a chier carrément, putain. Et il repart, hein. Même pas, il laisse un petit billet pour dire je suis désolé, hein. Premier degré, les amis. Si vous allez dans un magasin et que vous dites au monsieur « Est-ce que je peux emprunter vos toilettes? C'est vraiment urgent. » Est-ce que vous achetez quelque chose quand même? Ou alors vous laissez un petit billet? Ou vous partez comme lui? Vraie question. Se nettoyer. Tout est nettoyé là. Attendez, j'ai vraiment tout nettoyé ou pas?
Parce que j'ai toujours le seau, ça veut dire que c'est pas fini. Ah non, j'ai pas tout nettoyé, encore là. J'ai plus le seau, ok. Un nouveau client. Je paye en troc, je laisse le papier souillé sur le comptoir. T'es horrible. T'es vraiment horrible. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Suspense movie, ok. On surveille bien. Vous savez les gars, je me dis à tout moment il y en a un qui va prendre un film et se barrer en courant. Bah tiens donc, hein, ça regarde... Ah non, c'est les aventures. Pardon, excusez-moi monsieur, je vous ai un peu jugé. Je vais acheter ça. Ça sent pas bon ici. C'est 5$ monsieur, je suis désolé, il y a quelqu'un qui avait vraiment utilisé les toilettes tout à l'heure et il a bouché les chiottes. Un client ? Tenez l'argent, bonne nuit. Allez. C'est un aquarium ou c'est juste un truc de plante ça? Il y a de l'eau et tout mais il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Ok, dernier client ou pas? Attendez, j'ai pas lu la feuille. Bah si, j'ai fini. Bah ça ne dit rien d'autre, ok. Il est toujours là. Il y a un autre client qui arrive direct. C'est le même, non? Non, c'est pas le même. Adult movie. Bonjour, monsieur. Film de suspense. Je regarde tous qui regardent. Tous. Je les juge. Je me prends pour un vendeur Sephora, je vous le dis. Je reste au collier du client en disant « Bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Mais désolé, hein, les vendeurs Sephora, je suis désolé, je vous juge. Mon dieu, c'est quoi cette odeur? Je suis désolé monsieur, c'est un client qui a niqué mes chiottes là, il a bloqué les chiottes d'ailleurs. Oh, soyez prudent. L'odeur se sent tellement fort que ça va attirer le poop killer. Le poop killer? J'ai jamais entendu ça. J'ai vu ça dans le journal la dernière fois. Il vient lorsque les gens sont vraiment pas bien et qui ont des problèmes mentaux. C'est bizarre. Moi, je vais demander demain à quelqu'un de déboucher les chiottes. Prenez soin de vous, monsieur. Tenez l'argent. Merci, monsieur. J'imagine juste la réaction si jamais il y a quelqu'un qui vient dans votre magasin qui dit oh, « Faites attention, le poop killer va venir !» Comment tu réagis? Moi, je lui rigole au nez. Je lui ris au nez. À chaque fois qu'ils partent lentement. J'ai l'impression qu'ils s'éplaisent dans mon magasin.
Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'adultes movies? Je crois qu'il y a une bonne étagère là, quand même entière. Et du coup, il y en a une là. Action, action. Suspense, horreur. Ouais, bah finalement, il y a le même étagère partout. Si on me dit qu'il y a le Poop Killer, je ne vais jamais aux toilettes dans ce magasin et basta. Fils de... Il m'a bouché mes chiottes. Bon là ça n'a pas changé. Ah je peux zoomer comme ça, j'avais pas vu, ok. Donc là si jamais je vais là... vous le voyez bien le caca, vous voyez les cacas, moi je les vois pas. Vous les voyez bien. Sacré caca. Bon, bah je sais pas ce qu'on attend. J'ai plus de clients, est-ce que je peux finir ma journée? J'ai une pièce bien vide. Hein. Oh, j'ai eu peur. Tu n'as pas nettoyé, John. Je t'ai ramené une surprise. C'est pas moi, c'est le client. C'est quoi ça? Fils de... Prends cette merde dans ta face. Est-ce que je peux nettoyer la merde? S'est ramassé à quelqu'un en pleine tête. Ils sont bizarres les gens à chaque fois. Bonjour monsieur. En fait, les clients ils font tous peur. Du coup, je sais pas, je me dis, il y en a un, ça se trouve, c'est un tueur en série. Regardez la gueule des clients. Là, je zoome sur sa tête. Ça me fume. Tiens donc, hein, ça, je vous juge. Ah, tous ces gens. Pardon, j'ai craché. Tous ces gens qui vont dans Adult Movie, je vous juge. J'ai poustillonné mon gars, pardon, excusez-moi, je vous ai arrosé les potes. C'est de la merde sur ta tête? Donnez 5 dollars. Ça coûte 5 dollars. Ok, tenez. Excusez-moi, j'ai de la merde sur ma tête, mais pour l'instant, je suis encore plus beau avec de la merde sur ma tête que lui. Merde. Ok, il s'en va, il s'en va.
Mais attendez, le poop killer il est venu, il m'a dit t'as pas nettoyé, il faut que je nettoie. Below, c'est quoi below? Quelqu'un sait ce que ça veut dire below les potes? En dessous? Ok. C'est quoi ce bruit? Monsieur le Poop Killer, laissez-moi tranquille! My god! De la merde partout! Oh shit! Here we go again! Du caca everywhere. On l'entend rire mais on le voit pas. Poop killer. Killer, laissez-moi tranquille, je veux faire caca de tranquillité chez moi. Y'a rien à faire là. Poop killer. Quand je sors et que je vois du caca partout, ça me fait rire. Oh! Oh! Running out or beg for your life? Ça veut dire quoi, running out les bots? Ah, ça c'est mon problème, c'est que j'arrive pas à bien traduire. Je suis désolé, attendez. Soit je cours, soit je supplie pour ma vie. Qu'est-ce qu'on fait les bots? On supplie pour notre vie? On court. On court. Let's go, cinématique. Monsieur le Poop Killer, laissez-moi tranquille, Monsieur le Poop Killer, j'ai rien fait. Non. Ah, le caca. Non. Non. Il arrive. Ah. Nous sommes morts d'un caca, les potes, ok? Waouh! Eh bien écoutez les gars, j'espère que ce jeu vous a plu.
C'était donc Poop Killer. Sans plus tarder, évidemment. On part maintenant sur le deuxième jeu. Fart Killer. En espérant que ce soit aussi banger que le premier. Il s'est absolument rien passé dans le jeu. Mais alors, qu'est-ce qu'on a rigolé? Désolé, moi j'ai bien ri. Hein. Poop Killer, ça veut dire caca killer. À mon avis, Fart Killer, c'est l'épée. Et alors là, qu'est-ce que je vais rire? J'adore l'épée. Alors, je préfère préciser, je ne suis pas pétomane. Ou pétophile, je sais pas comment on le dit. Mais qu'est-ce que je rigole quand j'entends un P. Ok, let's go les pets. On part sur Fart Killer maintenant. Bien sûr, ils disent de ne pas prendre ce jeu au sérieux, c'est une parodie. À chaque fois que je lance le launcher, je me dis est-ce que ça va être pire que ce qu'on pense. J'ai pépé les potes. J'en peux plus, c'est trop drôle. Ah, ça me fume. Ça me fume. Ah mon dieu. Hello ? Y'a quelqu'un ? Mais non mais là il a la chiasse, il a une diarrhée. C'est une coulante là. Qui est là ? Je me vois ! J'en peux plus. Oh putain, j'en peux plus. Ça me fait trop rire. On a vraiment une cinématique et tout, incroyable. Il y a quand même beaucoup de gens qu'on fait le jeu, quoi. Ah, ok. Là, on peut pas se baisser. Là, je peux pas zoomer, ok. Aller par là, il y a un collider. Là non plus, il y a un collider. Et là non plus. Hé frère.
Désolé d'être en retard. Attendez. Pardon, désolé. Et frère, désolé pour mon retard. Le métro était bondé, c'est ça, non? Tranquille, bro. Merci pour l'aide. J'ai pas compris. I promise it will... attendez. Je te promets que ça ne sera que pour ce soir. Et qu'est-ce que je dois faire? Juste servir les clients et préparer des burgers. C'est facile, mon frère. Préparer des burgers? On sent, mec. J'ai jamais fait un œuf au plat. Relax, il y a toutes les recettes qui sont nommées avec les burgers. Ce sera facile, frérot. Ok, je te promets d'essayer. Juste suis les étapes. Commence avec la viande. Dans le frigo. Et fais attention à la cuisson de ne pas brûler. Ok, tu peux y aller, frère. Je vais faire les meilleurs burgers de la région. Merci, frérot. On se voit plus tard. Et je te paierai demain. Ok, donc on va tenir le stand, du coup. Et on est son pote. Simple burger, c'est viande. Ok, il y a toutes les recettes, ok. Et là, c'est les menus, je pense. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle le jeu, là, qu'on avait joué. Où on préparait les kebabs. Donneur kebab. Oh, c'était nul à chier, ce jeu. Nul à chier. Il veut pas un burger, lui? Il veut pas un burger. Non. Bon, les clients, ils arrivent ou pas? Parce que c'est un peu long, là, quand même. Hein. Simple burger, viande, fromage... Sel. C'est quoi Pepper, les potes? C'est du poivre, non? Pepper. Ketchup. Mais Pepper, spécial sauce, oignon. Pepper, c'est poivre, ok. Simple burger, donc il nous faut viande. Bon, ok. Ok. Viande sur le grill. Fromage. Regardez sa tête. Le fromage, où est-il? Sel. Poivre. Et ketchup. Super. Nom, 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 nom. Oh, ennuyant. J'ai hâte de finir et de dormir. Je crois que c'était ce qu'il avait écrit. Bah monsieur, pourquoi vous dégustez votre burger ici? Les bruitages me font rire. Mais qui achète son burger et le déguste devant toi, genre? Mais non, tu rentres avec. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, ok. Il dort toujours? Il dort encore. No farting. Pas de paix. J'avais pas vu. On a une affiche quand même, pas de paix. Hein. Pas de paix ici, les gars.
On a un client potentiel qui arrive là, je crois. Et c'est la seule personne qui est autour de nous, à chaque fois je vais le voir lui. C'est notre pote. Est-ce que la voiture peut m'écraser ou pas? Putain. Non, je pense pas. Bon alors, futur client. Qu'est-ce qu'il nous veut? Meat burger. Donc viande, on démarre. Viande. Ensuite, il va falloir fromage, sel, poivre, spécial oignon, spécial sauce et oignon. Parfait les bats. Il veut tous manger devant nous là. J'en peux plus. En plus, il me suit du regard. Ouais, mais attends, c'était un P ça? On revient là. Attendez, revenez là, monsieur, vous avez pété! Ok les gars, je vais accueillir mes nouveaux clients avec mon micro supersonique. Un, deux. Ok. Allez, allez, venez dans notre stand. Nous sommes ici pour accueillir des nouveaux burgers qui sont sympathiques et uniques. Venez, venez, let's go. On prend place. Les burgers par excellence, c'est par ici. On prend le meilleur et on donne de quoi péter toute la nuit. Let's go! Allez! Et pour les burgers, allez, allez! Et pour les burgers, allez, allez! Bonjour! Nouveau client ou pas? Ah, on a une dame qui arrive! Bonjour madame, venez rapidement! Vous avez les meilleurs burgers ici, je les prépare à la main et bien sûr, je ne pète pas. Sur les burgers. Dites-moi tout. Bonjour madame, je peux vous aider? Je voudrais un burger, mais ça sent vraiment pas bon autour. Je suis désolé à propos de ça, c'est quelqu'un. Les gens pissent et chient dans la rue, vous savez. Ah. Il y a un monsieur en face, il est sans abri. Il est où, Jeff? Quelqu'un devrait le faire passer d'ici. Jeff est parti, je suis là pour l'aider ce soir. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de votre burger. Et de cette personne, je vais m'en occuper. Oh, s'il vous plaît, faites-le. Je ne veux pas perdre. Je sais pas quoi. Ok, je vais lui dire de partir. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est en train de chier? Monsieur, vous êtes en train de faire caca dans la rue là? Oh là là. Putain, mais faites-le partir! Il va faire fuir tous mes clients! Je peux pas le faire partir, moi? Putain. Y'a pas un balai, un truc? Il avait la crotte au cul! Regardez! Il a la crotte au cul! Dégagez d'ici! Vous faites fuir tous mes clients! Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi m'avez fait ça? Je sais nulle part où aller! Ah, vous êtes en train d'empester toute la rue, monsieur!
Trouvez-vous un endroit discret où vous pourrez chier tranquille et dormir. J'ai rien pour moi, j'ai pas de quoi me nettoyer, j'ai pas de vêtements. Et... j'avais pas fini de faire caca. Juste dégager. La prochaine fois. Juste dégager, la prochaine fois ça sera pas juste de l'eau, ok? Que je vous jetterai dessus. Très bien, je vais partir. Est-ce que vous pouvez me donner un burger? J'ai vraiment très faim. Non! Maintenant dégagez! Plus vite! Et vous continuez de dire ce que je dois faire. Il va venir pour vous ce soir. Si vous êtes nus. Allez, allez, venez. Les plus beaux burgers sont par ici. Prenez place. On vous attend. Prenez place, un burger acheté, un burger acheté. C'est par ici, il y a différentes promotions. Nous avons du gros, le simple burger, le big burger, le big burger et le good burger qui vous sera donné contre bon billet. Et bien sûr, évidemment, le good burger, c'est celui-là qui vous donne envie de péter. Prenez place. Un burger acheté, un P offert. Bien évidemment, on ne pète pas devant le stand. Allez, allez, par ici, les burgers pas chers. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Il veut un big burger, un big burger. Hop là, let's go. Donc le big burger, c'est fromage, sel. Spécial sauce, pickle sauce, oignon et ketchup. Fromage style, y'a pas de poivre. Fromage, sel, pickle sauce, spécial sauce, oignon et ketchup. Oignon et ketchup. Et tenez monsieur, merci beaucoup. C'est bon monsieur, c'est délicieux. Venez par ici s'il vous plaît, les meilleurs burgers sont par ici. Dans ce stand, vous aurez la possibilité d'avoir les meilleurs burgers de la région. Allez, on y va. On prend place. Les meilleurs burgers sont par ici. Les meilleurs burgers de la région sont tout simplement au Chamcha dans mon fion. C'est par ici. Prenez place. Les meilleurs burgers sont là. Et hop là, let's go. Monsieur est parti. Allez, allez, prenez place. Les meilleurs burgers, c'est par ici. Meilleur burger de la région. Prenez place. Vous aurez la possibilité de les avoir où ça? Nulle part autre que dans votre fion. Bien sûr, les meilleurs burgers sont offerts avec notre sauce spéciale oignon qui vous donnera envie de tout simplement péter toute la nuit. Voilà. Prenez place. Excusez-moi. J'ai... Hop là. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu streams Life is Strange Before the Storm? Non, pas encore que t'avocat. Je verrai, en vrai, je joue quand j'ai envie de jouer, tu vois. Bon alors, il est parti, lui. Personne d'autre. Ah, on a un futur client, là, je crois. Là, je peux pas nettoyer, je peux rien faire, ok. Prenez place, les meilleurs burgers sont là pour vous offrir des pets à volonté. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Good burger. Ah, vous avez envie de péter toute la nuit, vous. Alors, viande, fromage, spécial sauce et oignon. Viande. Donc fromage, spécial sauce et oignon.
chez le burger du P. Il le déguste et il adore. Prenez place, faites comme lui. Et bien sûr, évidemment, admirez son P. Ça va, monsieur? C'est très bon? Il n'a pas pété. Il n'a pas pété, mais c'est parce qu'il avait envie de péter, mais il va le faire chez lui. Ah, qu'est-ce que j'aime cette vie. Bon, ça, on peut pas s'en débarrasser, c'est dégueulasse quand même. C'est quand même devant, derrière mon magasin, genre. Des bisous Maladies, je vais vous laisser le chat, des bisous, bon stream à tous. Bisous Jagger, bon stream BG, si tu es là ce soir, je te dis à toutes. Je serai pas là ce soir, Liz. Là on va jouer à Poop Killer, Fat Killer, on va faire des jeux Itch.io, mais après je vais cut. Je pense à 20h, je cut. 20h, 20h30. Des bisous Maladies. Passe une bonne soirée, fais attention aussi. Et à demain si t'es là demain. Ah, on a un nouveau client. Ok. Ah, c'est le monsieur de tout à l'heure. Vous encore? Et je vous ai dit de partir. Je viens juste apologize, je sais plus ce que ça veut dire. Je suis pas une mauvaise personne. Donc pas besoin de venir déranger. Je pense que c'est ça. Je vous ai jeté de l'eau sur vous parce que vous étiez assis par terre en train de chier. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je ne veux pas que vous soyez mauvais avec moi. Je suis pas mauvais avec vous. Mais juste ne chiez pas et ne pissez pas dans la rue. Les gens n'ont pas besoin de sentir des odeurs pareilles. Je vous promets que je ne ferai pas la même chose. S'il vous plaît, oubliez-moi. C'est ok, vous pouvez y aller. Est-ce que vous pouvez me serrer la main? S'il vous plaît. Comme ça, je pourrai dormir tranquillement. La gueule qu'on a. Allez. Monsieur, vous êtes toujours nu! Il nous a chié la gueule! Assommé. Hein. Waouh, comment il nous a fait mal. Ouais, il nous a mis KO le frère avec son P. Il nous a endormis. Ça me fume. Est-ce qu'il y a la personne au loin qui est là, qui bouge pas au milieu? Oh non. Le Fat Killer.
Une course. Laissez-moi tranquille. Oh. Non. 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 Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Oh non. What the fuck? Où est-ce qu'il est? Je vais le trouver, il va sentir mon gros P. Tu t'es échappé cette fois. Mais je te jure que je reviendrai. Oh, j'ai l'impression qu'il est parti. Coucou. Je vais te faire un gros P dans ta bouche. Invoquer le Poop Killer. Demander au sans-abri de m'aider. Ou alors une bataille épique avec une musique intense. J'ai invoqué le Poop Killer, les gars. S'il te plaît, Poop Killer, aide-moi. J'ai vu tous tes films. Waouh, attention, scène épique, le Poop Killer arrive. Déserte. J'entends quelqu'un marcher. C'est lui, il arrive. Il arrive. Le Poop Killer. Il est venu nous défendre, le Poop Killer. Poop Killer, un putain de tueur. Fart Killer, je te rapporte un cadeau. Tiens. Waouh! On fait les bruitages, les potes. Il s'est étouffé dans son propre pied. Oh, merci de m'avoir sauvé, Poop Killer! Vous n'êtes pas une mauvaise personne.
Non, quand même, qu'on se dise, ces jeux sont pas des jeux à histoire ou des trucs comme ça, mais qu'est-ce que c'est drôle. J'espère qu'il y aura une suite. Après le poupe, le fart, je veux qu'il y ait autre chose. Qu'on puisse rire. C'était donc Fart Killer, les potes. Bon voilà les potes, c'était du coup Poop Killer et Fat Killer. J'espère que vous avez bien aimé les jeux. YouTube, j'espère que vous avez kiffé le jeu. On se retrouve pour une prochaine VOD. Des bisous. Merci d'avoir suivi. À la prochaine, bye bye.